Eh bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir le secret de la map Caldera. Il y a un nouveau secret qui est arrivé, vous voyez c'est écrit BR absolument normal, donc on va aller, n'appuyez pas sur ce bouton. Très bien, allez, on lance le BR solo, dès qu'on trouvera une game on va se retrouver, mais voilà, il y a un nouveau secret sur Caldera qui est arrivé et je vais vous le faire découvrir, je vais vous expliquer comment faire, quoi faire, qu'est-ce qui se passe avec ce nouvel easter egg sur cette map Caldera. Donc voilà, c'est vraiment un easter egg vraiment très stylé, assez fun à faire. Et je vais tout vous expliquer dans quelques instants lorsqu'on aura trouvé une game. C'est parti les amis, on se retrouve in game. Allez, on est parti. Alors, je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans cet easter egg. Donc l'easter egg est bien évidemment pour le 1er avril. C'est un easter egg donc à courte durée. Et je vais vous montrer exactement ce qui s'y passe lorsque vous le faites. Alors, un ennemi, là par exemple, hop là, et vous voyez, bim, le mec vient de s'envoler en fait tout simplement. Parce que lorsque vous tirez, hop là, il vient encore de s'envoler avec son parachute là. Et vous voyez, en fait, l'easter egg consiste, lorsque vous tirez sur quelqu'un comme ça, vous allez le faire s'envoler tout simplement. Et là, il faut faire des dégâts par contre, hein. Donc pendant les 30 secondes qui débutent dans la game, vous pouvez déjà commencer à faire l'easter egg en tirant sur des personnes qui vont s'envoler. En fait, vous avez des balles qui expulsent les gens tout simplement. Lorsque vous leur faites des dégâts, ça va les expulser. Ne tirez pas trop haut dans le corps, sinon vous allez les tuer avant de pouvoir les faire partir au loin. Après, dans une game également, vous n'avez plus de parachute. On va le découvrir dans quelques instants. Lorsque l'on saute, on fait un piqué direct. On ne met pas de parachute pour choisir son endroit. Donc, si vous avez en fait la ligne droite là, la ligne de l'avion, c'est la ligne exacte, c'est la ligne précise où tous les spawns vont se faire. Il n'y aura pas de spawns qui seront autour, aux alentours, et on va aller directement sauter. Regardez, là, j'appuie sur le bouton. Hop là, je n'arrive pas à mettre mon parachute. Le parachute est totalement enlevé, et quand je vais atterrir au sol, là, j'essaie toujours de mettre mon parachute. Je ne pas, et là on est tous au même endroit, et il faut, le meilleur truc c'est de trouver une arme le plus vite possible, sinon allez-y au coup de cut, ça marche également très très bien. Ok, il y a personne, il y a pas d'ennemis, j'aurais dû aller dans la maison au-dessus, my bad, grosse erreur de ma part. Bon, il y a personne, tant mieux, on pourra faire. Il y a un mec là et j'ai pas d'arme. Ok, une arme peut-être, by the way, un de ces quatre. Ok, voilà, là on commence à pouvoir discuter. Hop, hop, on prend ça, on prend les plaques. Ok, alors. Compliqué, ça va être compliqué au snipe. Et là. Ah, c'est vrai qu'on a un Panzerfaust. C'est vrai que maintenant en secondaire, vous avez un Panzerfaust à la place. Hop, ok. Ok, maintenant on peut discuter. Maintenant on peut discuter, ok, l'autre s'est barré au loin, on va essayer de trouver des ennemis. Bon là le but n'est pas de faire top 1, mais simplement de vous montrer un petit peu ce qu'il en est de l'easter egg sur la map, et également tous les changements qu'il y a actuellement sur le mode Battle Royale de Caldera. Hop. Puisque les changements sont sur tout le mode, hein. Il n'y aura pas de mode. Ok, ça passe pas. Alors attendez, on va essayer de... Il est où? Ok, je l'ai vu. Je l'ai vu. On va essayer de se loot. Ok, là c'est bien là. Dommage. J'étais en train de mettre une plaque. Enfin, j'étais en train de prendre l'arme en main en fait, tout simplement. Bon, c'est pas grave, allez, petit goulag. Et vous voyez, voilà, l'easter egg consiste donc tout simplement en fait au changement, on va dire, des habitudes que l'on a. En vrai, c'est cool, même si c'est un événement qui n'est pas forcément réellement intéressant ou qui ne révolutionne pas le jeu et qui ne fera pas plaire plus ou moins le jeu aux gens. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir des petits événements comme ça qui se mettent en début de partie et qui n'impactent pas réellement le gameplay du jeu. Et voilà, vraiment, c'est assez cool. Après, normalement également, lorsqu'on peut tirer sur des ennemis dans une game, on peut les faire s'expulser aussi au passage. Ça sera juste à checker juste après. On va lancer le goulag et on se retrouve dès qu'on y est.
Allez, on y retourne. On est de nouveau dans le mode pour... Enfin, dans l'échauffement où on va pouvoir faire s'expulser des gens à des kilomètres. Là, il y a un ennemi par exemple. Hop là. Et on le fait s'expulser à des kilomètres. Enfin, à des mètres du moins. Hop. Et nous, on se fait pas partir. Nous, on se fait tuer directement. Très bien. Allez, on continue. Voilà, c'est un peu un mode fun, on va dire, pour, on va dire, redonner un petit peu également de goût. Et pour au moins avoir un événement enfin sur Caldera, puisque ben, on n'a pas réellement de contenu sur le jeu. Enfin, on a quelque chose. Donc c'est plutôt cool et plutôt sympathique. Allez, on se refait un spawn sans parachute. Bon, regardez, voilà, on n'a pas de parachute. On peut en vrai directement prendre le Panzerfaust, hein, ça peut être une bonne solution. Directement, hop là, ça passe pas, c'est pas grave. Allez, on va en dessous, on prend une arme. Et... allez, dégage, ça passe, ça a été compliqué, mais ça passe malgré tout. Oh, oh putain, ça passe pas, dommage. Bon, les amis, on aura fait au moins un nouveau petit spawn. En vrai, ça donne un petit peu plus de... on va dire un petit peu plus de dynamisme sur les games, un peu plus de... pression lorsqu'on spawn, c'est assez cool d'avoir des petits spawns comme ça sans parachute, ça fait, c'est plutôt sympa. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour ce qu'a pensé de la vidéo, également à vous abonner pour tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news et de prochains easter eggs également sur Caldera ou Warzone en général. Je vous ferai une prochaine vidéo en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement sur Warzone sur la chaîne YouTube. En tout cas, hop, alors attendez, hop. En description, vous avez ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à suivre également cette même chaîne Twitch. On est en live tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est pas mal, le show des gameplays top 1, on joue ensemble, donc n'hésitez pas à venir suivre la chaîne Twitch et nous rejoindre tous les soirs. Vous avez aussi mon compte Twitter pour être au courant des informations autour de ma chaîne Twitch comme de ma chaîne YouTube. Ça se passe sur mes réseaux sociaux qui sont en description, n'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum ma chaîne. Vous avez aussi mon compte TikTok, n'hésitez pas à le suivre pour booster un maximum sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas merci à ceux qui le feront, à ceux qui suivront les différents comptes pour booster un maximum. Merci à toutes ces personnes qui aideront la chaîne à grandir. J'espère que ça t'aura plu. Moi, je vous apprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.